Salut tout le monde, c'est Magnifique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES et c'est parti pour un France-Allemagne, voilà, et cette fois je suis sur PES 2017, voilà, parce qu'on est en 2017, voilà, tout simplement, et aussi j'ai réglé la difficulté parce que l'autre fois c'était horrible quoi. Allez, c'est parti. Ok. Ouf. Et ça s'en touche. Touche pour eux. Bon. Ok. Ouf. Attendez, il y a un truc à faire là. On va tenter le centre. Oh, presque. Oh non. Oh, la première grosse occasion du match. Ça, c'est dommage. Voilà. Mais bon. Quand même, l'Allemagne a un très très bon goal. Du coup, faudra faire attention. Voilà. Encore touche pour eux. Hein, ça commence bien. Par contre, là, c'est pas super. Vas-y, fais... Ouais, mais fais une passe. Vas-y. Vas-y, fais la passe. Et voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire là. On va tenter le centre. Ouais, c'était pas la meilleure chose à faire. On va essayer de reprendre la balle. Oula. Faut pas les laisser partir comme ça. Ah, il y a une fausse. Ouais, bon. Ouais. C'est pas extraordinaire non plus. Hein. Alors, on va plutôt aller là. Ok. Le dégagement. On va tenter la passe en profondeur. Ah non. C'était limite quoi. Peut-être qu'il fallait mettre un peu plus de puissance dans la passe. Ouais, sérieux. Du coup, ça fait le deuxième coup franc déjà. Oula, oula, oula. Non. Et vraiment là, j'ai cru qu'elle allait rentrer, mais non. On va regarder le ralenti. Ah ouais, quand même. Mais de toute façon, si elle serait cadrée, je sais pas si il y aurait quand même eu but, parce que Goloris, là, il était bien prêt à agir. Du coup, je sais pas. Je vais faire la... Ah là là là, n'importe quoi. Il laisse passer la balle. Il est en train de me dribbler. Vas-y, il fait un dégagement. Tac, la petite passe en profondeur. Petite séance de dribblage. Voilà, voilà, tac, fais la passe. La passe en profondeur, on va faire le centre. Et la tête. Oh mais... Quoi? Faut regarder le... Oh my god. Oh, penalty. Carton jaune. On va regarder ça parce que c'est... Waouh. Oh my god. Bon franchement bon après c'est un jeu donc l'IA franchement c'est pas un humain donc. Allez, là il faut vraiment pas se louper. Allez, on va tenter. Oh mais oui,
passé au fond. Super, le but au pénalty. Wow. C'est super, franchement. Le bon, on peut pas dire que c'est un magnifique but parce que c'est un penalty quoi, assez classique. Ouais, quand même. C'est vrai que les penalties, il y a vraiment, il y a pas beaucoup de chances de l'arrêter. Et en plus, le pire, c'est juste à la mi-temps. Oh là là. Ah, il va être dégoûté. Hein. Le goal. Et du coup, ça doit vraiment taper sur son moral. Et du coup, ça va être sûrement plus facile de marquer à la deuxième mi-temps parce que comme du coup il aura moins de confiance et bah du coup il... parce que j'ai activé l'émotion des joueurs, du coup faut être logique quoi. Et donc là bah aussi je crois que c'est comme ils se sont pris un but, c'est toute l'équipe qui doit être moins je sais pas comment dire. EVDS. Et du coup, comme moi j'ai marqué, bah mon équipe sera encore plus plus forte, aura plus de confiance. Ah, là j'ai raté. Allez, Payet. On va tenter le centre. Ah, par contre là, non, c'était pas un centre, c'était quoi là? Ça, c'était quoi? Et du coup, il y aura 6 mètres pour le goal. Et voilà, ils prennent vraiment énormément de risques. Là, j'aurais pu prendre la balle et marquer tranquille. Encore un changement possible. Ils attendent sans doute le bon moment. Une très grande ouverture. Oh, c'est incroyable. J'ai fait un tac, il n'y a même pas eu faute. Ça peut aller vite, côté gauche. Il file au but. Vas-y, le centre, Giroud. Ah, dommage. J'ai l'impression un peu que la tête manquait un peu de puissance. Non, non. En fait, je savais pas trop quoi faire. Est-ce que je devais tirer, faire une passe. Du coup, j'hésitais et du coup, il m'a pris la balle. Et... Ah, enfin, une touche pour moi. Ça change un peu. Hein. Dommage. De toute façon, ça m'étonnerait s'il marquerait un but comme ça. C'est bientôt terminé. Mais il reste un... On peut marquer un but. Il y a encore le temps. Ah, dommage. Ah, et c'est pas... Ah, j'ai cru qu'il y a eu faute, mais non. Hors jeu. Ah, mais les hors-jeux, vraiment, c'est le truc que je déteste le plus au foot, en fait. Donc ils viennent d'afficher un petit tableau. Donc moi j'ai fait 3 fautes et eux une. Je sais pas si vous avez vu le petit tableau. Par contre là il faut faire quelque chose. Mince. Giroud et juste à côté. Enfin, elle était cadrée mais le goal il a arrêté. Donc il y a des ralentis. Ah mais quand même ils étaient beaucoup en défense. Je savais pas trop quoi faire. C'était chaud. Ah, premier seulement? Le premier corner. Eh ben dis donc. On va... Ouais, bon. C'est pas trop ce que je voulais faire, mais... Mais voilà. Mais peut-être si j'aurais pu marquer. Il y a peut-être moyen que j'aurais... Logiquement, peut-être j'aurais pu marquer parce que le goal n'était pas ultra près et le but, voilà. Ouais, juste à la fin. Youhou!
2-0. Ah, c'est lui qui a marqué les deux buts au penalty. Il est juste là. On va regarder ralenti. Bon, en même temps, c'est pas un but extraordinaire non plus, hein. Mais quand même, il est un peu plus beau que le penalty, hein, parce que le penalty, c'est assez classique, quoi. À l'enroulé, c'était pas mal. Juste à la fin du match. Wow. On va tenter, hein, franchement. Raté. Oh là là. Ouais, je voulais faire un truc plutôt beau. J'aurais pu tirer et peut-être marquer à la fin. Mais bon. 2-0, c'est quand même très bien. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse sur le tableau des scores. Faites pause si vous voulez voir plus en détail. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!